Allez, c'est parti. Je rappelle que je ne vois pas le chat pendant que je joue. Regardez ça, je m'installe et là, là franchement, oups, attends, on va pousser ça. Là franchement, je peux juste pas être mieux pour jouer à ces 4 PC. Alors en fait, si vous voulez, je suis dans la toute première île du jeu, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le jeu se passe dans les Caraïbes. On est aux commandes de Edward et la première île, ville s'appelle La Havane. Et en fait, j'étais en train de m'amuser à faire ce que tout gamer un peu compulsif et maniaque fait, c'est-à-dire que je suis monté sur toutes les tours d'observation, je crois. Je crois. Je vais regarder, je vais bien scruter histoire d'être sûr, mais. Non, il en manque une. Ok, parfait. On y va. Afin d'avoir la vision sur toute la map. Okidoki, c'est parti! Mankiki. Ouais, donc vous voyez sur la carte en bas à gauche, il y a un point d'exclamation, et ce point d'exclamation m'indique la prochaine mission du solo. Techniquement, j'en ai fait qu'une pour le moment, hein, et ça, c'est la prochaine. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, tout est normal, je monte au mur. Ah oui, alors, c'est con parce que juste avant, je me suis surpris à me marrer tout seul en fait. Les gardes qui me font chier sur les toits, j'aime bien leur faire ça en fait. Est-ce qu'il est mort ou pas cette fois? Je sais pas, bon, je me barre. Mais en général, le mec, c'est un peu un Jean-Kévin quoi. Eh, j'avais pas le droit d'être là, descendez. Descendez, s'il vous plaît. Monsieur, monsieur, je vais devoir vous arrêter, s'il vous plaît. Bon. Monsieur, ok, bonne journée, au revoir. Ok, salut. Et ils me font extrêmement rien. Attendez, y a un fragment de je sais plus quoi à choper, là, d'ailleurs. Voilà. Un fragment d'Abstercuse. Allez, on monte. Ah, non, pas par là. Gros fail. Et si jamais il y a un bug sur le live, je vais quand même de temps en temps choper mon superbe Samsung Galaxy S3 10%. Et je vais vérifier si tout se passe bien. Et on fait le saut de la mort habituel qu'il y a dans absolument tous les assassins. Ah! Un nouveau Jean-Kevin. Excusez-moi, monsieur, un collègue m'a fait sous-entendre que vous aviez eu quelques soucis tous les deux. Voilà, salut. Contrat d'assassin. Alors, qu'est-ce que c'est? Interagir. Ah oui, c'est pas le truc avec les pigeons voyageurs? Si, si, je crois que c'est ça. Accepter contrat. Nous acceptons le contrat, donc. Et le pigeon s'en va. Et le pigeon va aller assassiner la cible. Hein, quoi? C'est pas ça? Pardon. Il danse le Gangnam Style ou je rêve le mec? Presque. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va la faire un petit peu plus cool cette fois quand même. Non, non, saute, non, non, Jean-Kevin! Fallait pas sauter là! Bon, je vais faire ça. Discrétion maximale. Ok. Oula, 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 oula. Déconnez pas les mecs. Ils ont juste trouvé un mec par terre. Sinon, tout va bien. Cette botte de foin n'a absolument. Oh, c'est lui que je dois assassiner? Y a par là, s'il te plaît. Y a par là. Bon, je m'en branle. Y a par là. Salut. Maintenant, je m'en vais. Où est-ce que je m'en vais ou est-ce que je m'en vais pas? Ça fait du monde quand même, hein. Ah, mais je suis un bonhomme, moi. Oh, une grenade! C'est quoi ce bordel? Depuis quand y a des grenades dans ce jeu? Wouh! C'est bon. Tu feras gaffe, t'as tué un de tes potes au passage, hein. Oh, il leur prépare une, le mec, ça y est. Alors lui, c'est Monsieur Explosif. Ah! Oh oui, 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 oui! Non, 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 je suis pas mort! Laissez-moi rentrer dans la boîte de foin, là, s'il vous plaît. Je peux pas? Oui, je peux. Voilà, hop, et je ressors par là. Salut! Ta-ta-da-da. Est-ce qu'ils me suivent, les mecs, ou pas? Si, un peu, quand même, hein. Attends, il doit y avoir une botte de foin pas loin, là. Non, 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 non... Bon, vous savez ce qu'on va faire? Si, si, il doit y avoir une botte de foin, là, c'est obligé. Ah! T'as rien vu, mec! T'as rien vu, viens avec moi! J'ai des bonbons! Et ils ont rien vu, les mecs. Là, c'était épique. Non! Hop! T'sais, la botte de foin, elle va être haute comme ça! Les mecs vont. Oh merde, bah, je crois que cette fois, c'est trop tard. Je me casse. Pas loin de moi, il y a un manuscrit, c'est des sortes de coffres level 2, quoi, des trucs qui rapportent plus de fric et qui donnent des pages manuscrites un peu rares. Et c'est souvent, en fait je crois tout le temps, dans des zones
qui sont interdites, donc techniquement, voilà, si les gardes vous y voient, ils vous embêtent un peu, mais bon, rien de... Toi, j'ai bien envie de t'assassiner, je te cache pas. Voilà. Et ça se trouve... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, stylé, ça! Ok. Bon, du coup, toi, je vais te fouiller et je vais gagner 17 roupies. 6, presque. 8, pardon. J'ouvre le manuscrit avec le pied, parce que ça le fait vachement plus. Voilà. Oups, je crois qu'ils m'ont vu. Oh non, c'est un Jean-Kevin! Hey, ouh! Salut. Alors, oui, et il fait nuit au passage. Ah, alors ça, sauver les pirates, c'est lorsque un des membres de votre équipage, de votre navire, est en train de se faire attaquer par les gardes de la ville. Donc du coup, faut aller l'aider parce que sinon il meurt. Eh oui, hé hé. Parce qu'évidemment, ce sont des gros méchants et ils se mettent à plusieurs contre un. Ah merde, il est déjà mort, je crois. Non, il est encore vivant, c'est bon. Oh! Oh là là, qu'est-ce que vous prenez cher. Yeah, je t'ai sauvé. Il va s'appeler Jack. Non, dommage. Parce qu'à chaque fois que je l'ai déjà fait 3-4 fois ça. Le mec me dit, merci, Jack vous remercie. Genre, j'ai déjà 3 Jack sur mon navire, je vais pas m'y retrouver, tu sais. Ouh, Jean-Jacques. Oh, il y en a deux, j'avais pas vu. Oh, 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 ça c'était sale par contre. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Oh là 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 là. Ah ça c'était bien par contre. Accepter contrat. On va essayer de la faire un petit peu plus... un petit peu plus stealth. Un petit peu plus stealth. Un petit peu plus Splinter Cell quoi. Alors je pense que le mec c'est dans la zone verte et donc du coup ça va être... Oh! Oh! Le mec était en train de poser une pêche ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, je crois qu'il m'a vu? Non. Sérieux? Vas-y, vas-y, je vais te choper, mec. Ouh! J'en ai un qui est en bordel, là, parce que... Enfin, qui est dans la merde, parce que c'est... Oh, il va se faire assassiner, non! Ne faites pas ça! Ah, ils l'ont fait. Ah, les bâtards. Ah, j'aurais pu les assassiner les deux en passant par au-dessus, comme avant. Attendez, il y a une femme qui est en train de m'aider ou je rêve? Regardez, regardez, regardez! C'est bien ça! Et évidemment, les hommes, bah, ils les frappent pas parce que ce sont des gentils messieurs. Quand même. Les mecs préfèrent se prendre des lames dans le cœur plutôt que de se défendre face à la femme. Libérer le prisonnier. Dis-moi merci, mec, je sais pas. Prochaine fois, je te laisse crever. Ok, toi, je t'ai pas trop respecté, c'est cool. Capitaine Kenway! Non, je voulais que tu dises Jack, mec, ça aurait vraiment été drôle. Parce que je sais qu'ils s'appellent tous Jack, sinon. Et à part ça, regardez l'eau, c'est juste ouf. La couleur de l'eau. Mon dieu, quoi. C'est un jeu très coloré, alors j'y ai très peu joué, mais du peu que j'y ai joué, j'ai été impressionné par ça, vraiment. Bah, évidemment, l'eau a été vachement travaillée, rien qu'à cause de l'histoire et tout. Je veux dire, c'est vachement plus marin dans l'âme, donc du coup, voilà quoi. Non, alors je voulais pas passer par là, c'était pas le chemin le plus rapide pour choper le truc, je te cache pas, mais c'est pas grave. Allez, 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 je le veux, ce champ marin, c'est le dernier. Je l'ai, yes. Bon, pardon, excusez-moi, j'étais en train de choper un champ et... Enfin, une feuille qui vole, c'est pas grave. Du coup, on va faire la mission. Et la mission... Ah bah voilà, mon collègue qui était sur le bateau avant. Désolé d'être parti si vite. On m'a pris pour un autre. Ils ont eu la main lourde. Ah, oh, il s'est fait tabasser, le pauvre. Je suis désolé, tout est de ma faute. J'essaie juste d'éviter que les Espagnols me voient. Ah, c'est trois fois rien. Hop. Malheureusement, ces soldats ont confisqué mon sucre. Ainsi que vos papiers. Bon sang. Où ils sont allés? Je n'en ai aucune idée, à mon grand regret. Je crois bien que ces messieurs le savent, mais mon espagnol est moins maldade, alors mieux vaut que je m'abstienne. Ah. Viens, on va les suivre. Je dois récupérer mes cartes. Et mon sucre? Et j'en ferai quoi de ton sucre? On verra, mon ami.
Appuyez pour utiliser la vision d'aigle. Alors, vision d'aigle. La vision d'aigle permet de... Oui, je sais. Lorsque vous employez la vision... vous pouvez marquer jusqu'à 10 ennemis. Je vais les suivre. Ah, je dois les... Bah, c'est ça, en fait, que je dois faire, de toute façon. Donc, Regarde-le, le mec est vraiment pas discret, quoi. Je ne vous regardais pas. Je ne vous regardais absolument pas, messieurs. Je m'en vais. Yes, une botte de foin. Eh mais, les gens Kevin, il va falloir faire quelque chose, là. Il va falloir se calmer. Vous commencez un tout petit peu à me les briser, là. Hein. Bon, j'ai plus que 12 secondes, alors... Oh, ce que t'as pris. Voilà, c'est bon. Rapprochez-vous de la cible. Merde, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Je suis à 37 mètres, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Ou un cochon. Ah, voilà. La zone circulaire avant la fin de la conversation. Alors, est-ce que je... Est-ce que ça fait partie de la zone circulaire, ça? Évidemment. Juste pas. Combien de temps va prendre cette pendaison? Pas l'intention d'attendre toute la journée. Elle sera bientôt finie, monsieur. Et dès que le capitaine Mendoza l'aura pendue, il vous versera votre argent. J'espère qu'il ne compte pas me payer en réales. Je veux des marchandises, du tabac, du rhum, du sucre. Mais par contre, le tabac, profitez, parce que ça va vite devenir cher, hein. Vous verrez. Un gros anglais. Un anglais. Por el delito de motín contra tu capitán, el tribunal de sentencia a morir en la horca. De bonne qualité. Nous l'entreposons au Castillo. Son propriétaire a provoqué une rixe la nuit dernière. Il a fui en abandonnant. Je suis coincé. C'est le seul guignol qui marche dans l'eau, quoi. Ah, c'est lui la cible. Toi, mon gars, tu vas pas vivre longtemps. C'est à moi qui te le démonter. Où c'est que tu vas, mon gars? Genre, le capitaine se balade comme ça tout seul, tu sais. Por favor. Qu'est-ce qu'il raconte, sans déconner? Faut que j'arrête. Ah, merde. Il rentre là-dedans, sérieux? Ok. Réfléchis vite, réfléchis bien. Allez! Est-ce que je l'assassine ou pas? C'est bon. Personne m'a vu. J'ai juste tué le type le plus important de la garde ou je sais pas quoi. C'est bon. J'ai fait ça comme une fouine, c'était excellent. Tu sais, les mecs me voient grimper, ils disent rien du tout quoi. C'est une zone interdite. Tant qu'il est pas dans la zone, je m'en fous. Tu peux rentrer, mec. Tu peux grimper. Vas-y, t'es libre. Ouais, je grimpe dans les arbres. Et alors? Rien à foutre. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Oh, un peu qu'il y a quelqu'un, ouais. Belle bande de gens, Kevin, là. Ah non, mais c'est chou. En fait, je suis juste obligé de tous les tuer, quoi. Ouais, bah venez, allez, on se bat tant qu'on y est. Hein. Oh! Putain, c'était bien sale ce que t'as pris, là, quand même. Aucune pitié. Ah ouais, tu sais pas te battre, alors on t'a filé un flingue, c'est ça? Bah regarde à quoi ça sert, mec. Oh! Oh! Oh, c'était stylé, ça! J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Hop, je zigzag. Ah, ah, tu sais pas quoi faire, hein. Ah. Ah.
Bon, j'ai chopé ce qu'il me fallait. Retrouver machin. D'accord. Alors avant, il faut que je chope le petit truc qui est juste là. Et le coffre qui est juste là. Et ensuite, je crois qu'il y a rien d'autre à choper aux alentours. Ah, si, il y a un manuscrit ici. Enfin, il a dit un truc comme ça, je crois. Mon espagnol n'est pas parfait. Vous le remarquerez certainement. Salut. Vous pouvez aussi juste décider de blesser le type quand vous ripostez à l'attaque. C'est-à-dire que le mec, tu le respectes pas, quoi. T'es là. Ah, ah ouais, tu veux. Ah, tu perds ton arme, vas-y, ramasse. Voilà, ramasse. Attendez, je vais essayer un truc. Est-ce que je peux le pousser par la fenêtre? Ouais, non, ça va être un peu compliqué. Bon, je t'assassine au sol, hein, parce que je suis un gros lâche, voilà. Je te fouille tant que j'y suis. Hop, c'est parti. Nous avons The Last Manuscrit. Est-ce que je peux assassiner les deux, là, ou pas? Oh. Bon alors, Edward... Edward, c'est l'acide Twilight qui t'a fait ça? T'y arrives plus, c'est ça? Ah, faut que je vous montre un truc. Alors, je m'excuse d'avance, j'ai pas beaucoup joué au dernier assassin avant celui-ci. Je crois qu'il y avait déjà une sorte de système de carte au trésor. Là, je le découvre plus ou moins. C'est vraiment stylé. C'est-à-dire que, par exemple, ça c'est une carte au trésor que j'ai trouvée. On a les indications en bas, 179-593, c'est les coordonnées géographiques. Et lorsque je regarde la map, eh ben, je dézoome. Regardez juste pour vous rendre compte, la taille de la ville. Je dézoome. Ça c'est la ville, juste. Je dézoome, ça c'est l'île. Regardez toute la carte, sans déconner. C'est juste monstrueux. Et donc du coup, qu'est-ce que c'était que les coordonnées? 179-593. Et donc du coup, si je vais par là, parce que je l'ai cherché avant, vous voyez que je trouve 179-593. Donc je sais qu'en prenant mon bateau, ce sera dans cette zone que je trouverai le trésor, n'est-ce pas? Et je vais être sincère avec vous, hein, Assassin, c'est vraiment une licence que j'ai un peu lâchée depuis Assassin's Creed 2. Tout simplement parce que je trouvais que ça se répétait un petit peu. J'avais rapidement joué au 3, que j'avais pas terminé. Pas Blood machin là, je parle vraiment du dernier, celui avant celui-là donc. Et je trouvais que ça se répétait un peu, ce qui à mon avis est le cas quand même. Et donc du coup quand j'étais à l'E3 en juin à Los Angeles, même quand j'étais à la Gamescom ou comme ça, c'est un jeu que je suis pas allé voir en fait. C'est-à-dire que si vous voulez c'est des slots, des réservations qu'on fait pour avoir un moment, pour tester le jeu en privé, etc. Et j'étais pas allé, alors je sais que Cruxy par exemple qui est fan à la Gamescom, il était allé, pourquoi je dis la Gamescom, j'y suis pas allé à la Gamescom cette année, mais enfin bref. Mais Black Flag de base m'intéressait pas trop. Et là ce soir je me suis dit, putain mais quand même... Faut que je me le fasse quoi, c'est quand même une grosse licence et du coup je vous avoue que c'est super rafraîchissant pour la licence en fait. Les décors sont tellement colorés et tout cet univers, enfin il faut que j'y joue encore hein, pour me faire un avis concret, mais clairement pour le moment c'est ultra positif. Il faut que j'aille sauver mes potes les pirates. Ah regardez, ils vont les assassiner. Vite, tuez-les pas. S'il vous plaît, attendez deux secondes, les deux là. Je vais venir vous assassiner en même temps. Donc si vous pouviez juste attendre quelques secondes. Non, laisse-moi aller dans les fougères là. Fougères. Voilà, toi je te tue. Tuez-les pas, hein. S'il vous plaît. Ça c'est les deux types qui s'occupent de nettoyer l'arrière du bateau d'habitude. Et j'en ai vraiment besoin. Donc pas... de bêtises, s'il vous plaît. Comment est-ce que je peux tuer les deux en même temps? Ah, vous savez, vous savez quoi? On va faire un truc de ouf. On va lancer des bombes fumigènes. Vous êtes prêts? Oh, c'était sale. Hop, je vous libère. Barrez-vous, les mecs. Oh, bah toi, je vais te sauver, par contre, parce que j'ai pas envie que tu meurs. Il l'a tué! Ah, mais non! J'ai fait un truc pire stylé! Ils l'ont tué! Bon, y en a un qui s'en est sorti, donc ça va, c'est worth. Non, y'a rien de très compliqué, mais. Hop! Alto! Alto! Me llama Jean Kevin. Je m'appelle Jean Kevin et j'ai t'interdit de monter sur ce toit, salaud. Voilà. J'ai envie de tout faire avant de faire la mission, arrêtez de me rajouter des trucs non-stop!
Ah bah je crois que le combat est terminé. Ah non, c'est juste là, merde. C'est parti les mecs. Oh, il se met à pleuvoir, ça y est, d'un coup. Comme ça quoi, les mecs avaient envie. Comment je rentre? Comment je rentre? Ils sont en train de mourir, je peux pas rentrer. Poussez-vous. Voilà. Putain, ils sont tous morts. Ah non. Ouais, par contre j'étais censé pouvoir contrer ça et ça l'a pas fait. C'est honteux, je vous déconseille ce jeu. Non, je rigole. Jacques, dis-moi que tu t'appelles Jacques, s'il te plaît. Tu m'as sorti d'un sale pétrin, capitaine. Jacques te remercie. Il a dit Jacques. Oh waouh les mecs, regardez les... Franchement, regardez les animations. Je sais pas vous, mais moi ça m'impressionne à fond quoi. Regardez les animations avec le vent et la pluie sur les plantes, sans déconner. Sans déconner, c'est pas mal hein. Et je dois aller là-bas. Ah, vous voyez, c'est classe hein. Regardez avec les éclairs. Oh, sa mère, l'éclair. Oh là 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 là. Ah, voilà. Vous pouvez voir sa tête. Oh, ce que c'est beau. Assassino ? Si, Duncan Walpole. Non, je te tromperai. Plus que la justice à l'état pur. Telle est la promesse de ces... Le mec au culot, je le vole, quoi. Nous en emparer. Regarde, regarde. Sommes-nous en mesure de le localiser ? Nous le serons. Ah oui, tout à fait. Nous serions peut-être en mesure de le localiser. Hop. Ah oui, tout à fait. Hein. Je pense que c'est un bon plan. Êtes-vous certain ? Parfait. Ah tiens, j'ai réussi un objectif optionnel, c'est sympa. Et vu que je suis très gentil, je vais mettre très bien. Ouais, PC Next Gen. Vous allez voir que, bah, je sais pas, vous avez peut-être pas tous les mêmes âges que moi. Peut-être qu'il y en a qui sont plus vieux, peut-être qui sont plus jeunes et vous vous rendez peut-être pas compte. Moi, quand j'avais 14-15 ans et que la PS3 venait de sortir, donc c'était à l'époque de la Next Gen, mais PS3 Xbox 360. J'étais un petit peu dans ce cas-là, je me disais « Ah, ça va être trop bien les jeux sur PS3, sur Xbox 360 et tout. » Alors oui, bien sûr, c'est une nouvelle génération, les jeux sont bien, etc. Mais il faut que vous compreniez une chose, c'est que de base, les jeux vidéo sont développés sur PC. Voilà. Certains jeux, vraiment certains, sont développés en particulier pour des consoles, comme en l'occurrence Uncharted sur PS3 par exemple. Mais c'est quand même fait sur des PC qui sont étalonnés à des puissances PS3. Même chose pour les jeux Xbox 360, etc. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, les jeux qui sont réalisés sur PC et qui sont multiplateformes, souvent tournent un poil mieux sur Xbox 360 parce que PC, Microsoft, Xbox 360, et très souvent, c'est très bien, voire parfaitement étalonné sur PS3. Actuellement, sachez une chose, c'est que tous les jeux à venir seront un poil mieux sur PC, voire vraiment mieux, et seront vachement bien sur Xbox One et sur PS4. Mais de base, le PC aura toujours une longueur d'avance, c'est très simple. Pourquoi ? C'est parce qu'une PS4 et une Xbox One que vous allez acheter, ça va être là, et ça ne va pas changer pendant 7 ans. Alors que le PC, les cartes graphiques, il y en a des nouvelles tous les 6 mois. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. La seule chose, si vous êtes en train de me dire « Ah, mais attends, il y a Xbox One, c'est mieux que la PS4, la PS4, c'est mieux que la Xbox One. » Non, on s'en fout. Les deux consoles sont très bien. Les jeux, honnêtement, c'est les mêmes. Donc je parle des jeux qui sortent sur les deux consoles, évidemment. Les jeux, c'est les mêmes. À un pixel près, c'est les mêmes. La seule différence, c'est certaines fonctionnalités et certaines exclus. Point. Ça, c'est dit. Votre présence sur les quais du Castillo, demain au lever du soleil. C'est vendu, c'est noté, je note ça sur mon iPhone. Ah non, non, pas encore, non. Ok, la cible est là-bas. Alors, je vais recruter ces jantes demoiselles pour occuper les gardes. Je pense que ça pourrait être un moyen pas mal. Je sais que c'est une zone interdite, mais je ne pose aucun problème, étant donné que je suis entouré de 4 putasses. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Oh, ok. Où est-ce qu'il va?
Ah, voilà, ils sont occupés par mesdames. Parfait, parfait, continuez, continuez. Faire diversion. Voilà, va t'occuper de lui, là. Non, c'est bon, n'y va plus, n'y va plus, viens là. Merde. Ok, ouais, bah faites diversion, c'est très bien. Oh oui, mon gars, oh, t'es très bien, là. Oh, t'es très bien, vite, 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 avant que je me fasse voir. Oh, je me suis fait voir. C'est bon, je me cache. Oh, sérieusement, je me suis fait voir, fais chier. Ouais, bah je vais être obligé de vous tuer, c'est bon, j'ai compris. Attends, est-ce que j'ai mon épée au moins? Ah, sinon j'ai des flingues aussi, vous les testez? Un petit peu moins marrant, hein, du coup. Ah non, mais, ah putain, c'est de la merde. Attends, je me concentre. Je me concentre. Je vais le faire, je vais le faire, vous allez voir, je vais le faire. Yes, bien joué ça. Yes, cool, 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 cool. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à une prochaine. Bonne soirée. Bonne nuit plutôt. Bonne soirée au Québec, quoi. Bye.